à tous, aujourd'hui on est parti semer le tournesol avec l'équipier et l'ensemble qui a plus de 40 ans. Alors, voilà le rendu du deuxième coup de grattoir. Vous voyez, hein, quelques mottes. L'important, c'est un peu de fraîcheur à l'intérieur. J'ai essayé de régler le semoir là. Bon, il y a encore une chaille là. Hop. Ça, j'ai gratté hier soir. Là-bas, le soleil est en train de naître, enfin de se lever. Et là, en fait, faut que je mette en route la prise de force, que je fasse tourner les roues pour que ça colle. Au disque et disque là parce que vous voyez, il n'y a pas encore les semences dessus. Et après, on va faire 4 tours autour, et en suivant après à semer. Il va falloir aussi que je regarde si j'ai le bon aplomb des socs. C'est ces socs là, faut qu'ils travaillent assez plat. Il y a les micro-granulés pour les topins. Et là-dedans, la semence de tournesol. Ça sera semé à 66 000 environ. Il y a des chaînes là qu'on a réglées. La turbine qui colle les grains au disque. C'est un semoir pneumatique, c'est pas comme le nodé qui est mécanique. C'est plat, le troisième point est assez bien réglé. Là, vous voyez les graines de tournesol qui sont collées, c'est impeccable. Ça, faut bien le refermer pour pas avoir de poussière. Et après, au petit bonheur, la chance, on va essayer de voir. Vous pouvez positionner la graine. Bon, ça c'est... Ah, si, elle est pas très profonde quand même. Je vais essayer de voir où est l'autre. Normalement, elles sont à 19 cm d'écart. Parce que je suis content. 15 jours après le premier grattage, là vous voyez, il y a de l'herbe qui était en train de naître. Ça va la détruire. Bon, forcément, j'en ai trouvé une. Je vais pas trouver l'autre. Ah ouais. Là, je suis pas assez bas. Je suis pas assez bas. Et pour ça, faut que je remonte les... Ça, là. C'est ça qui fait la profondeur.